Yé, ta maman trompée avait un faux billet de 10 000 et... C'est que l'euro? Est-ce que ça, c'est encore quel genre de billet, ça? Si vous êtes du Cameroun, du Gabon, de la République centrafricaine, du Congo, du Tchad et de la Guinée équatoriale, vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin et surtout la partager au maximum pour éviter d'être arnaqué. Mon frère, je suis du Cameroun. Alors, comme vous le savez tous, la BEAC vient de mettre en circulation la nouvelle gamme de billets de banque. C'est vrai, voici l'autre même que j'ai en main. Et depuis que ces billets sont dehors, certains ingénieurs du papier sont à l'œuvre pour fabriquer ce qu'on appelle les faux billets. Mon frère, on les appelle les rapides. Voilà, donc vous devez faire très attention. Papa, pardon, ne perdons pas le temps. On distingue le vrai et le faux comment? Voilà, le billet de Marie Gombert qui est déjà en train d'être falsifié par nos ingénieurs du papier. Donc, soyez vigilants. Oui, j'ai le même billet. Comme sur les anciens billets, lorsque vous prenez votre billet de 10 000 comme ça et que vous le guettez à travers la lumière là, vous allez voir certains éléments en filigrane qui permettent de déterminer si le billet est authentique ou alors s'il est faux. Le tout premier élément, c'est le trait de sécurité qui est là. Le trait de sécurité qui est là. Et sur ce trait, lorsque vous guettez à travers la lumière comme ça là, vous allez remarquer qu'il y a l'inscription 10 000 en chiffres. Donc c'est écrit 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 sur tout le trait de sécurité. Ok, évoluons, papa. Et en plus de ça, vous allez remarquer en guettant à travers la lumière qu'il y a une autre inscription, 10 000. Là, elle est presque transparente et c'est écrit en blanc. Et vous pouvez la voir lorsque vous guettez à travers la lumière. C'est écrit là en chiffres 10 000. Massa, tu es le meilleur. Continue. Nous avons là deux motifs partiels au recto et au verso du billet. Mon frère, pardon. Avant de continuer, je voulais rapidement passer ce message pour ces jeunes qui désirent étudier en Afrique du Sud. On y va. Ou encore pour ceux-là qui veulent demander des bourses à l'étranger. On y va. Si vous désirez aussi être assisté pour l'écriture de votre master ou doctorat en PhD rapidement, contactez Gigi Clinic Service. Aïe! Pour tous ceux-là qui cherchent de l'emploi à l'étranger et qui veulent acheter une maison à l'étranger, je vous conseille seulement une seule adresse. Gigi Clinic Service. Et vous savez, je ne communique jamais pour les malhonnêtes. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Ok. Papa, on évolue. Comme deuxième élément, nous avons là deux motifs partiels au recto et au verso du billet. Hein? C'est le motif qui est là. Ce sont des motifs partiels au recto et au verso du billet. Et ces deux motifs se complètent lorsque vous regardez votre billet à travers la lumière. Vous pouvez voir là que c'est écrit 10 000. Ok, quoi d'autre? Nous avons l'impression en relief du montant du billet. Voilà, comme ici par exemple, c'est écrit 10 000. Lorsque vous passez votre doigt sur 10 000, vous allez remarquer que c'est rugueux en fait. Hein? C'est rugueux, c'est comme si ça gratte au bout des doigts. Donc, il est possible de reconnaître le bon billet seulement au toucher comme ça là. Lorsque vous passez votre doigt sur le nombre 10 000 là, vous allez constater que c'est rugueux. Ah, là, c'est pour les malvoyants. Et ça permet aux personnes qui sont malvoyantes de savoir si le billet est bon ou pas. Bravo, mon frère. La suite. Vous allez remarquer que sur les nouveaux billets, vous avez deux numéros de série qui sont identiques. Le premier numéro de série est là en haut à droite du billet et le deuxième est en bas à gauche du billet. Il y a une différence entre les deux. Les deux numéros sont identiques et celui qui est là-haut, vous allez remarquer qu'il est incliné. Il est écrit en italique. Par contre, celui qui est en bas là, il est écrit de façon, les lettres sont droites. Yes, papa. Continue. Nous avons là sur le billet un motif qui est là en 3D. Voilà. Donc, la particularité de ce motif, il est là. La particularité de ce motif, c'est que lorsque vous inclinez votre billet en fonction de la lumière, vous allez remarquer que le motif en 3D là change de couleur. Voilà. Donc, le motif en 3D change de couleur. Il peut prendre plusieurs couleurs en fonction de l'intensité de la lumière de où vous vous trouvez. Donc, le motif, il est là. Il change de couleur. Il est présent sur tous les billets, que ce soit 500, 1000 francs, 2000, 5000 et 10 000. Mon frère, tu es bon. C'est quoi ton goût? Tu vois quoi, papa? Continue! Le fil de sécurité à effet dynamique dont nous avons déjà parlé au début là. Donc, c'est le fil que vous pouvez voir sur tous les billets. Donc, vous allez remarquer que sur les anciens billets, ce fil de sécurité-ci là, il est tout petit et il ne se voit pas directement comme ça. Par contre, sur les nouveaux billets, vous allez remarquer que le fil de sécurité là, il est épais et vous pouvez facilement le voir sans toutefois incliner votre billet pour le chercher. Voilà. Et sur ce fil de sécurité, vous allez voir, il y a l'inscription 10 000. 10 000 en chiffres. Donc, 10 000 en chiffres. Tout au long du fil de sécurité, c'est écrit 10 000. Non, c'est de ça qu'il s'agit, Brigade des Bœufs. Tu es le meilleur. Continue. Alors, septième et dernier élément essentiel qui vous permet de reconnaître le bon billet du faux billet. Non, Brigade, une seconde. Avant de continuer, je vous présente rapidement ce meilleur centre de formation actuellement à Yaoundé qui forme et trouve de l'emploi pour les jeunes. Écoutez bien. Blessing Business Academy est le seul centre de formation actuellement qui forme et trouve rapidement l'emploi. C'est pas vrai. Je laisse rapidement le promoteur de cette école vous citer les différentes filières. Nous avons décidé de former les gens
au poste de chef comptable avec la certification chef comptable où il faut avoir au moins un niveau Bac plus 2. La certification responsable administratif et financier, il faut également un niveau Bac plus 2. Assistant comptable pour les niveaux Bac. Secrétaire comptable probatoire et Bac. Oui, certification expert en fiscalité des PME, il faut un minimum Bac plus 3. Certificat d'expert en gestion administrative et fiscale du personnel, il faut également un niveau Bac plus 2. Voilà, vous comprenez donc que Blessing Business Academy, ce n'est pas la blague, c'est une réalité. En vrai, Blessing Business Academy est situé à Yaoundé, Emana, derrière Tradex. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Ok. Bro, tu disais que pour conclure, c'est le signe pour malvoyant qui est là en relief. Le signe pour malvoyant, vous allez voir, vous allez remarquer que c'est des arcs de cercle et qui sont perceptibles au toucher. Donc, lorsque vous passez votre doigt dessus, vous allez ressentir une surface rugueuse, un peu comme sur le montant du biais là. Donc, les signes pour malvoyant là, qui est perceptible au toucher, vous pouvez passer le doigt pour savoir si votre biais est bon. Il ne faut pas tirer fort. Si la vidéo t'a aidé, partage cette vidéo au maximum pour aider tes proches, tes amis et tout ton entourage. Entre-temps, n'oubliez pas de passer la commande de votre gamme de toilettes Moi et Ben Beauty, c'est ce que j'utilise. Découvrez la ligne experte de soins pour peau noire, métissée à mat de la marque Moi et Ben Beauty, une ligne qui respecte la couleur de votre peau. Grâce à ses formules de produits riches en extraits de plantes végétales et ses ingrédients sélectionnés rigoureusement selon leurs propriétés, l'efficacité de vos soins corporels est maximisée, quelle que soit votre carnation. Jour après jour, vos imperfections sont atténuées, votre teint visiblement clarifié, unifié et frais. Votre peau retrouve sa beauté et rayonne d'un nouvel éclat. Avec les soins spécialisés de Moi et Ben Beauty, exprimez votre différence. Moi et Ben Beauty, ma couleur de peau, mon identité. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.